Henri-Georges Clouzot est donc entré à la Continental Film au début 1941, tout d'abord comme scénariste pour retoucher simplement un scénario. Mais son travail a tellement été apprécié par le patron de la Continental, Alfred Greven, qu'il lui demande de rester et de devenir le chef du service scénario. Il est donc en charge de corriger les scénarios, de les sélectionner, éventuellement de les modifier. Mais très rapidement, il a envie, lui aussi, de devenir réalisateur. Et il a la chance, donc, qu'on lui propose de faire un film dès 1942. Et ce film, donc, c'est « L'assassin habite au 21 ». Il s'agit à nouveau, donc, d'une adaptation d'un roman de Stanislas André Steinman avec le commissaire Vince, qui est déjà apparu, donc, dans le dernier des six. Et il y a de très fortes contraintes sur ce tournage, comme d'ailleurs dans la plupart des tournages de la Continental en 1942. Il n'a que 21 jours pour le faire. Et comme pour tous les autres metteurs en scène, on lui fait comprendre aussi qu'il a droit à deux prises et pas plus. Si vous dépassez les deux prises, vous avez un coup de fil de la direction immédiatement. On vous demande la raison, pourquoi voulez-vous faire une prise supplémentaire. Il faut faire de l'économie. Alors, ceci dit, l'assassin habite au 21 marque vraiment les débuts absolument extraordinaires d'un cinéaste de très très grand talent. Dès son premier film, on voit qu'il a vraiment le sens de la prise de vue, de la composition, tout autant que du scénario. Le film est absolument sensationnel. Et il a une distribution en particulier de second rôle de tout à fait premier ordre avec Pierre Larquet, Jean Tissier, qui sont vraiment superbement utilisés. Alors, L'assassin habite au 21 n'est que donc le tout premier film de Clouzot, et dès ce premier film, il montre son très grand talent. Et donc, il écrit à nouveau un rôle tout à fait cousu main à Suzy Delair, donc dans le rôle de Mila Malou, qui va faire d'elle vraiment une star du cinéma français, ce qu'elle n'était absolument pas avant-guerre, où elle était vraiment réduite à des rôles d'utilité. Et il faut parler quand même un peu des relations qui existaient entre Greven et Henri-Georges Clouzot, qui sont quand même tout à fait spéciales, puisque au sein de cette société, donc dirigée par un Allemand, Clouzot est vraiment le seul qui entretiennent vraiment des relations d'amitié avec son patron allemand, qui n'hésite pas, par exemple, à aller dîner avec lui le soir, ce qu'aucun autre metteur en scène français ne fait au sein de la société. D'ailleurs, cette relation va bien lui servir, puisque par la suite, il va pouvoir obtenir le droit de tourner donc son deuxième film, qui est Le Magistral, Le Corbeau.